Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoung Créa. Donc je reviens vers vous pour l'ouverture calendrier de l'Avent. Donc en fait, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai 2 jours à ouvrir. Je vais les ouvrir directement avec vous parce que je les ai même pas ouverts, j'y pensais plus. Et puis pas beaucoup de temps. En fait, c'est surtout ça. Une fois que j'y ai pensé, j'ai pas ouvert mon cadeau. Donc on va le faire ensemble. Donc on va faire le jour 6 et le jour 7 sur les deux calendriers. Donc je vais commencer, tiens, pour changer, je vais commencer par bout de scrap. Donc toujours mes deux échanges avec une scrapeuse du groupe de Sylvie Dutilleux et de ma cousine. Donc on va commencer par bout de scrap. Donc je vais ouvrir le petit 6, donc toujours ces petites pochettes trop sympas. Voilà, donc là c'est oui des papiers qu'on a dans les boulangeries ou autres. Elle a fait un beau tamponnage, c'est super, hein. Elles sont vraiment super tes pochettes. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça va finir. Je vais me faire un super junk, hein. Ou même dans mon December Daily, je sens que je vais en glisser. Pour en garder quelques-unes, je sais pas. Donc je vois ça. Ouais. Un peu abîmé. Ah, c'est du scrap, je crois. Ah, j'ai une. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont super jolis. Oh, merci beaucoup. En plus, ça ira bien avec mon December Daily que je fais. Là, je pourrais mettre un peu de ruban de cette couleur-là. Ah, super. Merci beaucoup, bout de scrap. En plus, la marque Toga. Ah, ils sont super beaux. Voilà, des beaux rubans. Donc, il y a du doré avec un petit cerf. Du gris avec des flocons de neige, des petites étoiles dorées sur fond blanc, gris avec du tranche des feuilles de houx, je pense. Et puis un autre, c'est écrit Joyeux Noël et Merry Christmas. Deux comme ça. C'est deux de chaque à chaque fois. Merci beaucoup, bout de scrap. J'adore, j'adore. Ta pochette est super jolie, mais je l'ai un peu abîmée. Après, je vais refaire, c'est vrai que pour découper, je vais recoller. Je vais refaire un truc. Donc, du coup, je vais ouvrir le 7. Alors, je vais ouvrir, je ne voudrais pas abîmer. Donc, toujours des belles pochettes. Donc là, je pense que c'est fait avec du papier de scrap, d'un bloc. Ouais, c'est ça, c'est pour les défaire, je les abîme, c'est ça qui m'embête. Attends, il y a peut-être un... Ah, je vais ouvrir comme ça, peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais... Oh, oh là 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 là, trop chouette. Oh, j'adore les petits chats. Oh, mais je l'ai pas celui-là, c'est un ancien. Oh, merci, ils sont trop chouettes. Donc, un super tampon, c'est des anciens de chez Axio, ça. Tu me diras, bout de scrap, je te demanderai. Je vais t'envoyer un petit message, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos. Mais franchement, trop contente, j'adore, j'adore. Ah, super. Et puis là, super, le thé, oh, trop bien. Je ne les avais pas, parce que je ne sais pas de quand ils datent. Mais franchement, je ne les avais pas du tout. Oh, merci beaucoup, oh, je suis ravie. Merci, merci. Donc, Marc Kraft, donc, je pense hein, que c'est de chez Action, hein. Ah, merci, ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Donc ça, je vais faire les petites photos tout à l'heure. J'en ai d'autres à mettre et je mettrai sur le groupe. Donc merci beaucoup, bout de scrap. Entre tes pochettes qui sont magnifiques et tes petits cadeaux, j'adore. Merci. Depuis le début, franchement, c'est des super cadeaux. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer au calendrier de ma cousine. Donc c'est pareil, c'est 6 et 7. Hein. Donc ma couse, toujours son super calendrier de l'avant. Alors 6. Waouh. Ah bah si, j'avais ouvert, c'est celui-là, j'avais pas ouvert en fait. J'avais ouvert qu'un calendrier. J'avais pas ouvert celui de bout de scrap. Donc ça, j'avais ouvert, j'avais regardé. Puis après, j'ai pas ouvert l'autre. J'ai dû être occupée, les enfants ont dû m'appeler au même moment. Donc là, je suis contente, c'est encore des petites
bois là. Donc là, il y a Noël. Donc ça, je pense que c'est pareil. Il va aller sûrement descendre Delhi. Ça, je vous montrerai. Hein. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer. Là, il est presque, enfin, presque fini. Au niveau de, pas à remplir, mais à faire ma couverture, mes pages et tout. Donc là, j'ai presque fini. Donc j'ai pris des idées. Bon, je vous dirai pour mon December Daily. Je me suis inspirée d'un tuto de comment? De mes envies créatives pour faire l'album. Et j'ai fait des petites pages, enfin des petites cartes en fait où je vais décorer. Je vais mettre voilà mes photos. J'ai fait format KISS. Donc. Ma carte postale. Donc, je vous montrerai ça. Et je me suis servi du beau bloc de chez Action là, le beau avec le beau vert avec les patins glace et blanc. Alors, il est magnifique. Je l'ai pratiquement. Enfin, j'ai utilisé beaucoup de pages. Alors maintenant, le 6 et le 7. J'arrive pas à refermer. Le 7, il est là. Oh, des tampons aussi. Oh, super. Oh, j'adore les trucs. Enfin, j'adore tout. Ah, oh, génial. Puis ça, j'ai pas. Sur la mer. Enfin, j'en ai, mais j'ai pas celui-là. Merci, ma couze. Alors ça, pour faire des petites attestampes, ça peut être pas mal. C'est vraiment tout petit. Donc là, il y a Enjoy Sunshine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tiens, je vais me servir de ta pochette blanche ou de scrap. Peut-être qu'on verrait. Voilà. Enjoy. Enjoy Sunshine. Là, il y a le petit sac, le coquillage, le petit parasol et les petites tongs. Et puis, j'ai un autre morceau. Ah, il est là. Le palmier et la petite boisson. Oh, trop bien. Merci, ma couze. Ah, bah, dis donc, je suis gâtée là. Hein. Merci, les filles. C'est vraiment super. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais pouvoir me refaire. Oh, ça manque là, parce que j'ai fait beaucoup de boîtes et tout ça. Et là, j'ai besoin de refaire des tamponnages et de les détourer. Ça, c'est. Ça, faut que je me fasse ça. J'adore ça. Me remplir des boîtes de tamponnage déjà de près. Alors, je vais faire, bah, je vais bientôt bien les utiliser, vos tamponnages. Mais vos tampons. Merci les filles. C'est trop super. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je remets. Je rangerai après. De toute façon, après les fêtes, je vais avoir du rangement à faire. Entre ranger tout ce que je me suis acheté déjà. Et puis tout ce que j'ai reçu là. Donc, il y aura du rangement à faire. Donc, je vous montrerai après quand j'aurai rangé. Je pense que j'essaierai de vous faire un petit tour de mon rangement. Puis, pour vous donner des idées, surtout quand vous faites un coin scrap dans vos chambres, ça peut vous donner des idées. Je me dis, je ferai ça peut-être. Donc, bah, je vous dis, j'essaie de refaire une vidéo bah, vendredi, sûrement en présentation calendrier de l'Avent, je pense aussi. Et plus un tuto. Là aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps. Donc, du coup, voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'aller voir aussi la chaîne de ma cousine. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Du coup, ça peut vous donner l'envie d'aller voir. J'ai suivi son tuto pour faire des mini gnomes. Et franchement, c'est génial. Alors, moi j'ai fait avec du... Ah, comment ça s'appelle? Des bouchons de liège. Mais elle a fait avec... ce qu'on pouvait acheter en bois. Je crois que j'en ai, mais je ne sais plus où je les ai rangés, mais je crois que j'en ai. Donc, allez voir son tuto, il est super. Donc, toujours, hein, alors, c'est la marmotte tricote Guigui et Bernie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et voilà, j'ai fait deux petits gnomes. Et puis là, je vais m'en faire un, je vous montrerai, avec des anciens chaussons, là, qui sont abîmés, je vais me faire un beau rose. Donc, voilà, les petits gnomes, eh ben, on va les mettre. Là, les gnomes vous disent au revoir. Allez, bye bye!